On va nous lire Apocalypse, premier chapitre, verset 17. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Amen. Oui, pour que nous puissions bien nous comprendre, tu peux lire également une fois pour toutes les septièmes versets aussi. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Amen, amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Yesu
Nazanga libala obali sanga ye Yesu yo zangi komo Yesu yo elonga Nakubida Yesu kita O nazanga musala okesanga ya ya Yesu yo zangi komo Yesu yo elonga Nakubida Yesu kita Oh, nazanga mutuga osali sangaye Yesu yo zali bomo Yesu yo elonga Nakubila Yesu kitoliwa Ngai nazanga kina gope sangayango Yesu yo zali bomo Yesu yo elonga Nakubila Yesu kitoliwa Nana bana nanga Nakubila Yesu kitoliwa Nalibomba oyo Nakubila Yesu kitoliwa Nakubila kaka ya Jesu Nakubila Yesu kitoliwa Nakubila kaka ya leva Nakubila Yesu kitoliwa Nakubila kaka ya Jesu Nakubila Yesu kitoliwa Nakubila Yesu mabenzu nabako Nakubila Yesu kitoliwa Nakubila Yesu mabenzu nabako Nakubila Yesu kitoliwa s'intitule Les nuées de félicité. Natongo lelo mama na likambo na biso ezali te lipata ya bolam. Est-ce que nous pouvons tokoki acclamer très fort pour le Seigneur. Kopeta makasi maboko pona nkolo.
Bien-aimé, Balingami, on venait de nous faire une bonne lecture de la des Écritures. Bataki kotange la biso penza matangi malam. De quoi nous voulons parler aujourd'hui? Toni kolobelani na tongo alelo. Nous allons demander que toute ta vie soit accompagnée de nuées de bénédictions. Toko senga nzambe ete bomo ino mobimba ekamba mana mapata ya mapamboli. Amen, amen. Amen. D'après les passages qu'on venait de nous lire, on nous parle du retour de Jésus sur la terre. C'est l'apôtre Jean qui tombait quand il avait vu. Alors, si on ne lisait pas le septième verset, on n'allait pas comprendre comment Jésus est arrivé jusque là où Jean était. Alléluia. Amen. On nous présente Jésus comme sortant Batalis du ciel. Lokola moto, auti, na lola. Mais vous devez comprendre que Jésus n'aime pas que tout le monde le voie. C'est pourquoi souvent il se fait accompagner des nuées. Mingi mingi ya yaka azali kotambola na mapata. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Pourquoi il fait tout ça? Pona nini Yesu akosala nyonso? Parce qu'il était venu pour que les aveugles voient. Et ceux qui voyaient ne voyaient plus. Ayaki pwete balolanda bamona bazalaki komona bamona lisusu te. Donc Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut découvrir facilement comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que bien qu'il ne soit pas loin de nous, nous le cherchons en tâtonnant. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est caché. Pas dans une nuée. A bomba mi na kati na lipata mokote. Il est caché dans les nuées. Ye a bomba mi na kati na mapata ebele. Et je voudrais un peu expliquer ce qu'on entend par nuée. Kota li salipata yango ezali nini? Une nuée, c'est en fait un gros nuage. Lipata yango ezali lipata penza monene. Et je vous avais déjà expliqué. Na sila kota li sabino. Quand les gens disent que tango bato balobi, Seigneur, tu es grand. Parce que là où le fleuve part, ça ne se remplit jamais. Non, ça c'est l'évangile bougre. Donc le fleuve là où il va, il ne peut pas remplir ni l'océan, ni la mer. Tout simplement parce que en physique, il y a la loi de l'évaporation. Ezali na mobeko obabengi évaporation. Amen. Un autre chez lui dit lui, il est toujours comme ça, il n'a pas la foi. Non, il faut avoir la foi kondimate, intelligente. Na kondima ya mayele. Voilà, débiter de son être pour des choses qu'on peut expliquer. Donc, c'est là la grandeur de Dieu. Parce qu'il sait créer cet équilibre. Je voulais que Dieu crée un équilibre dans ta vie. Que tu sois un homme équilibré. C'est-à-dire que tu as la sanctification, mais aussi la bénédiction. Amen, amen. Amen. Donc c'est par ces mécanismes-là que les nuages et les nuées se créent. Alors, par les mécanismes de l'évaporation, il se passe des choses qui font que toutes ces gouttelettes-là qui montent finissent par se constituer un nuage. Ezaliko matalikolo na souke ezaliko koma mapata. Vous ne comprenez pas? Bosso solite.
C'est pourquoi la Bible dit personne ne peut monter au ciel s'il si n'était descendu du ciel. Ce qui est autaki na likolo te. Donc la Bible dit que au commencement l'esprit de Dieu s'est mouvé sur Ezalaki kozolonga na likolo na mai. Mais il faut quand même comprendre quand je parle de ça. Amen. Donc c'est ainsi que sur le plan spirituel les nuages mapata c'est l'esprit Eza molimo qui retourne vers le Père pour contrôler le monde à partir des nuages. Pona koyange la mokili. Je vais t'aider, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Parce que les gens, quand ils voient les nuages, batotango bazai komona mapata, ils pensent que c'est les nuages. Bakanisi eza mapata, mapata. Non, il y a des nuages eza na mapata qui renferment Dieu. O ezali ko kanganza. Amen, amen, peuple. Amen. Je voulais qu'on nous lise un peu Exode 13, verset 21. Pour que vous compreniez. Parce que quand on parle comme ça, vous savez, les mâles chez nous, ce sont les cancres qui critiquent. Vous avez vu, j'étais à couteau tiré avec un gouvernement ici qui ne savait pas comment. On présentait le programme économique du gouvernement. Ça peut faire pratiquement 6 ans que j'expliquais à ces bougres que ce que vous amenez à l'Assemblée nationale, c'était des projets de société, un programme économique. Il est quantifié, chiffré, chronométré, et c'est ce que nous avons vu. Et ce sont ces hommes moyens qui se font passer pour des surdoués. J'ai dit non. Merci beaucoup parce que l'Église, image de l'Éternel, est entendue. Amen. Donc tu peux lire. Okay, parce que vous allez voir un autre, là, quand je parle que dans les nuages, il y a un homme. Amen. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Acclamons très fort pour le roi de rois. Donc, dans les nuages là, il y avait l'Éternel. Pourquoi tu mets mon fils? Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Bamboula nyoso yambula mapambolite yambula oye komisaka milelo na bato makelele. Nazolo bela mbula wana te. Je parle d'une pluie qui amène la bénédiction. Nambula oye makani pamboli. Je vous dis qu'elle va tomber bientôt avant que je termine la prédication. Eko kweya yambwete na silisalite. Amen. Donc ce que nous voyons dans l'Apocalypse 1-7, ce n'était pas une innovation. Depuis le commencement, Dieu s'est caché dans les nuages. Ça vous allez lire à la maison, Exode 14, 19 à 20. Vous verrez que quand ils sont même arrivés devant la mer Rouge, la colonne des nuées a quitté le devant pour être derrière. Parce que c'est de là que venaient les ennemis. C'est pourquoi quand le pasteur prie, il dit que Dieu vous garde par devant, par derrière et tout autour. C'est biblique. Amen. Alors, bien-aimé, je crois que nous avons compris physiquement comment se constituent les nuées et nous avons expliqué comment se constituent les nuées spirituellement. Alors nous étions en train de dire
que chaque fois qu'il y a les nuées, c'est que la pluie va tomber. Je voulais dire à quelqu'un que la pluie de bénédiction va tomber sur toi, va tomber sur ta famille, va tomber sur ta maison. Et ce n'est pas toi qui vas la provoquer. Dieu lui-même a des mécanismes. Même quand le ciel est fermé, Dieu est capable de l'ouvrir. Donc je vous préviens que les nuées sont déjà là. Et la pluie va tomber. Alors comment la pluie peut devenir une bénédiction? La pluie n'est une bénédiction que pour ceux qui ont un abri. Amen. Les sans-abri n'aiment pas la pluie. Elles n'aiment même pas la bénédiction pour eux. Parce que ils n'ont pas d'abri. L'abri dont je parle ici, je ne parle pas encore des immeubles. Alléluia. Amen. Les immeubles, je vous les donne. Mais psaume dit ceci. C'est lui qui repose sous l'ombre de Dieu. Il repose sous l'abri de l'Éternel. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont sous l'abri de l'Éternel. C'est pour ces gens-là que la pluie est véritablement une bénédiction. Elle tombe dans leur champ pour faire sortir des produits agricoles qu'ils peuvent consommer et vendre. Donc la pluie devient une bénédiction pour ceux qui sont sous l'abri. Comment on entre, on repose sous l'ombre du Très-Haut? C'est quand on entre dans les corps mystiques de Jésus. Quand on est enveloppé par la parole, c'est quelqu'un même quand il a des millions, il ne cultive pas de filles. Il est sous l'abri. Vous savez, les gens qui n'ont pas de foi, leur argent, ce n'est pas une bénédiction. Leur argent, c'est pour casser les ménages des autres. Alléluia. Amen. S'ils ne cassent pas les ménages des autres, ils vont abuser les enfants des autres. Donc, au lieu que la pluie soit une bénédiction pour eux, c'est une malédiction. C'est pourquoi, quand tu ne crains pas Dieu, quand tu n'es pas dans la sanctification, ne demande pas la bénédiction à Dieu. Elle va te tuer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand les gens qui n'ont pas encore la maîtrise de l'argent, dès qu'ils en ont, vous allez voir comment ils s'agitent. Non. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire que ce matin, Dieu va te visiter. Il fera tomber sur toi une pluie soudaine. Jean l'avait vu descendant des nuées. Il venait avec la bénédiction. Aujourd'hui, il va descendre dans ta vie. Nous nous prions pas pour souffrir pendant toute la vie. Je suis contre ces dieux-là des pauvres. Moi, je suis votre pasteur pour que vos enfants terminent leurs études à Harvard, à Louvain, à Liège, à Francfort. Donc nous allons partir assister à la collation de vos enfants dans des universités coréennes. Et ils ne vont pas amener des diplômes de misère. Ils amènent les diplômes qui vont leur permettre d'avoir un travail rémunérateur. Ça sera de vrais patrons. C'est ça le Dieu de l'image de l'Éternel. Il n'habite pas sur la terre. Il habite dans les nuées. Donc, même la nature dit que le pain Lipa vient d'en haut. La Bible déclare que la bénédiction Lipamboli vient du ciel et dans
du Dieu chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Celui qui avait béni Jacob, il va te bénir parce que toi aussi tu es fille, tu es fils de Jacob. Ce que ton père avait bénéficié, tu vas en jouir. On ne peut pas prier tout le temps malade. Non. La Bible déclare que c'est par ses meurtres que nous avons été guéris. Laisse tous ceux qui étaient venus malades qu'ils rentrent guéris au nom de Jésus. Bien-aimé, Jean voit Jésus descendre sur l'église. C'était par rapport à l'enlèvement de l'église. Mais le Seigneur avait dit, je pars, mais je suis avec vous. Quelle complication. Il part, mais il est avec nous. C'est-à-dire que les eaux qui montent vont nous revenir autrement via la pluie. Laisse-moi tel que je suis en train de prêcher, que la pluie tombe dans ton champ, que la pluie tombe sur ton étalage, que la pluie tombe dans ton bureau, que les gens voient, laisse que la pluie tombe même sur toi. Amen. Acclamons très fort. Frère, quand la pluie céleste tombe sur un homme, elle enlève la malédiction. Est-ce que la pluie céleste tombe et enlève la malédiction? Frère, il y a les pluies qui tombent à la demande des hommes. Ce sont ces pluies-là qui tuent. Mais il y a des pluies qui tombent à la demande de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Je me souviens, Nakanisi, un jour, un ancien ministre des Finances, Mokolomoko ministre à la Finance, sous le régime du maréchal Mobutu. Wana maréchal Mobutu azalaki ko yangela mboka. Il m'avait invité à son église. Ah, pesa kinga imbela. Après sa conversion, l'église en ayé. Nasima mbongwa na nepo tena kenda kote. Alors il me disait, azai ko tali sanga boe. Pasteur, Mobate limpate. Nous, on avait touché à la magie. On a compris que le Seigneur est plus fort que quiconque. Alors, il me disait comment son féticheur l'accompagnait dans ses succès. Il arrivait à son féticheur de faire tomber une pluie spéciale sur lui. Il me disait que quand il faisait tomber alors, la pluie, c'était seulement tout autour de moi. Et quand je descendais voir le maréchal, tremblait. Je lui ai dit non. Le diable était un usurpateur. Dans la Bible, il y a des pluies ordinaires, mais il y a aussi des pluies de commande. C'est ainsi qu'il y a un homme dans la Bible, il s'appelait Élie. Il avait dit, il n'y aura pas de pluie, si ce n'est à ma part. C'est pour vous dire qu'il y a pluie de pluie. Ce matin, je suis venu demander une pluie spéciale. Comme Élie avait dit, qu'il n'y aura pas de pluie, si ce n'est à ma parole. Je vous dis que les gens avaient empêché à la pluie spéciale de tomber sur toi. Mais aujourd'hui, moi je n'ai pas la parole de Dieu. Mais garde, j'ai la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de la parole de lui. C'est-à-dire que cette parole-là, elle est capable de faire tomber une pluie spéciale pour toi. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Akab était contre les serviteurs de Dieu. Akab a écouté les mélabassali nanza. Après avoir épousé Jézabel, il courait derrière le prophète de Baal. Nasima kobala Jézabel azaiko kima nasima basakoli na. Oui, je voulais vous dire que par ce temps qui court, Kinshasa est plein. Kinshasa est tondisami. Des prophètes de Baal. Na basakoli na Baal.
Et il y a du monde derrière. Bato ebele bazana sima na bango. Non, je ne dis pas que tout le monde est de balle. Te nalobi bato nyonso bazali ya balle. Mais je dis qu'il y en a quand même plusieurs. Parce que la prière aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avons connu. Aujourd'hui, le pasteur dit à la sœur, pour que tu sois délivré, avance vers moi. Moi aussi j'avance vers toi. Avancez, reçois l'onction. Dès que ma sœur Azaki dit bah, bah. Papa, tu as bien l'obo comme arbitre en Dimiango. Acclamons très fort pour les voix. Amen. Donc, les pro- non, il y a des modèles de délivrance. Papa, non, à Kinshasa, on aura tout. Na Kinshasa, tout mon agneau. Avancez! Wow! Pourquoi tu n'avances pas avec les hommes? Si tu veux délivrer, appelle tonton Kaza. Ce que dit Kangola, tonton Kaza. Frère, le prophète de Baal avait mis la ville dans la tourmente. Et quand le prophète de Baal priait pour faire peur aux gens, il sortait avec le couteau. Je vous promets. Dès que je termine ce que je suis en train de faire, je veux partir en retraite au Japon. Je vous préviens, moi je ne veux pas partir à Mangangenge. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des aventures. Tu peux partir en retraite à l'hôtel du fleuve. Retraite à l'hôtel du fleuve. Mais, comme maman n'a pas dit, parce que je suis en retraite, je suis en retraite. Quand vous venez, vous écoutez à Bangalore, je suis en retraite. Je suis en En retraite, il prend du champagne. La retraite, Azali comme la champagne. Si tu fais ça, je vais demander à la garde de l'hôtel de te chasser. Ce que Salibou est Donc, les prophètes de Baal nous ont amené toutes sortes de d'affabulations. Aujourd'hui, si tu pries calmement, on dit que tu n'as pas de puissance. Qui t'a dit ça? Ça ne dépend pas des gesticulations. La Bible dit ceci. Et restez ceux qui ont le cœur. Car ils verront Dieu quand ton cœur est pur. Que tu partes à Mangengenge. Que tu pries dans ta chambre. Il va t'écouter. Mais dans la théologie, il y a ce qu'on appelle des parrainaises, les conseils du pasteur, les temps là que tu perds, jusqu'à Mangengenge. Mais comment on va Mangengenge? Ngana pesa ngoko Mangengenge. Donc Manga ezala kakuna. Et quand ils partent là, ils trompent. Il faut prier. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va prier? Il a des boîtes de lait. Azali na ba kopo milik. Et des sacs de sucre. Azali pe na ba sacs. Et les parfums. Donc, c'est vrai parce que Jésus avait dit qu'il mettait les parfums. Mais vous ne voyez pas que ça, ce sont des rendez-vous avec Abakouk. Bomonite o Azali ko kenda ko kuta na de na Abakouk. Papa, vous ne voyez pas? Bomonite Zaboe. Papa, image. En fait, moi je ne vous oblige pas de prier ici, mais je vous demande une seule chose. Ici, ah ouais. Toutes les prières ma bonne délignance se font ici et ça les macao. Pour des cas spéciaux. Pour ma cambo, ça se fait chez moi. Et ça les macabé pas inanga. Et ils le savent. Bango ba ebi yango. Si quelqu'un te dit ce qui m'a totalisé que nous allons partir à Ruzizi. Pour intimider les gens. Zandé, n'a côté le souci. C'est Ruzizi, à Bukavu. Entre Bukavu et le Rwanda, là. Donc, il y a le pont Ruzizi.
C'est pour intimider les gens. Dieu ne tient pas compte de tout ce tralala. Il ne tient pas compte de tout cet entamage. Il tient compte d'une seule chose. C'est de sa parole. C'est pourquoi Élie avait dit, il n'y aura pas de pluie si ce n'est à ma parole. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui avaient fermé le ciel sur toi. Malheureusement pour eux, ils ne sont que des Élie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Malheureusement pour eux, il se sait seulement de Élie. Maintenant vous allez comprendre pourquoi nous avons dit que il vient dans les nuées. Frère, quand les hommes ferment le ciel, Dieu lui-même quitte son trône. Il va descendre pour accomplir la promesse de Ézéchiel 34, verset 26. Lis-nous avant, comme ça je vais faire des commentaires. Il y a plusieurs personnes qui ont fermé le ciel de Dieu sur toi. Tu n'as jamais eu des millions de dollars. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta situation dépend en partie du Congo. Mais ta Wanda, situation dépend plus de Dieu. Car la Bible déclare, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration, ce que le monde appelle malédiction. Dieu considère ça comme étant une bénédiction. C'est pourquoi ce matin je voudrais que la pluie de bénédiction vous tombe sur des têtes. Tombe dans vos bureaux. Qu'elle tombe dans tout ce que vous êtes en train de faire. Même quand les hommes ferment le ciel, il ouvre. Il avait promis ça. Lis pour nous rapidement. Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et ce sera une pluie de bénédiction. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Vous irez lire tous les chapitres à la maison. D'elle dont on parle là. Dieu parlait des brebis qui étaient abandonnées par le pasteur. Il avait dit qu'il y aura un jour où moi-même je vais établir sur elle un pasteur. Et quand je vais établir sur elle ce pasteur-là, je ferai tomber la pluie de bénédiction. Lorsque tel que je suis en train de parler, que la pluie tombe sur vous, que vous ayez de la fraîcheur. Regardez votre cœur. Faites très mal. Tu as les soucis d'argent. Tu as les soucis des apôtres de la vie. Mais Dieu a une pluie qui est capable de mettre fin à tous ces soucis. Aujourd'hui, on a pris Dieu comme un homme ordinaire. Non, Dieu n'est pas un homme. Il est un esprit. Il fait des choses qui dépassent tout entendre. Je te dis que quand Dieu fait visiter son peuple, il brise toutes les lois de la météorologie. Il brise. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé dans le Seigneur? Élie se retrouve Élie a mikuti avec le prophète de Baal. Naba sakoli naba. Au Mont Carmel. Nangomba na Carmel. Ces prophètes, ils ont agité du monde. C'est comme aujourd'hui. Dans nos églises, les gens n'aiment plus parler de la sanctification. Quand ils prêchent la sanctification, ils disent « Mona ». Donc c'est depuis 2000 que nous parlons de ça. Ils disent toujours « Mona ». Bon, on n'a rien. Nous allons voir. Aujourd'hui, les gens aiment le message.
Tu plais leurs oreilles. Non. Dieu n'est pas venu pour parler à ses oreilles. Dieu, il est venu pour parler à ton cœur. Aujourd'hui, les gens aiment le prophète de Baal. Ils aiment un peu quand ils viennent voir le pasteur. Surtout les jeunes filles. Avant de sortir, le pasteur soulève la robe. Il dit, sœur Mimi. Alors, quand le pasteur soulève comme ça, les lots la tiennent. Alors, les enfants disent, c'est ça un bon pasteur. Ça gêne, ça coule. Ah, ouais, ça coule. Il est jeune. Ça coule, ma maman, il coule dans mon limo. Ça, ce n'est pas être cool. Tomber dans la colonne, pour qu'on me casse. Être un coulouna. Non, ça coule, pas tomber là. Non! Ça va empêcher la pluie de tomber. Les gens aiment aujourd'hui les prophètes de Baal qui sont venus pour séparer les familles. Non. Je sais que Dieu dit que je n'ai pas apporté l'épée, mais l'épée. Mais lui-même, il était l'épée. L'épée. Presse d'épée. Mais il dit que je n'ai pas apporté de paix. Il faut comprendre dans quel contexte. Il disait que quand vous allez marcher conformément à ma parole, les gens vont vous haïr. Mais c'est comme moi, les autorités me haïssent. Parce que je dénonce le vol et les détournements. Frère, nous allons prier pour que tous ceux qui ont volé l'argent de l'État depuis 1885 aient des maladies incurables avec leurs enfants. Et je me suis nommé moi-même inspecteur des chantiers dans le cadre de 100 jours. Inspecteur et chantier. Naïbike Batoye VD. Office des routes, Bozos et la Boïba, barre de fer, Nabassiman, Denga Boïba. Je sais que vous, de l'OVD, vous attendez voler du ciment et les barres de fer, si je vous attrape. Bafouter! Bon, police ici, Kaka, président Nabissazaki, Namaele, Malam, Mbomemien, Namouibi. Donc, c'est pour ça qu'on va me haïr. Mais moi, je ne veux pas changer. Même les autorités qui viennent d'arriver. Vous avez bien commencé, félicitations. Mais si vous déconnez, vous allez rencontrer Godempo, l'aumônier national de la RDC. Le nouveau cardinal de la RDC, le pasteur Godempo. RDC, Godempo. Banangaba, ceux qui misent à l'université bandi, au moins ingénieur azote kasaka sima, kangaye. Nalobi sanini, kangaye. Kobeta été même et pananga toke nene na la police. Bande de voleurs, race de vipères. Jésus a besoin de vous. Il dit qu'il crie pourquoi? Mais je vous dis que j'ai amené les nuées à Kinshasa. La pluie va tomber. La vraie parole va descendre pour que les cœurs se convertissent. Toi, tu es Congo pour aller prendre maman la bino. Miibi. Bosambelangana comme président. Si je devenais président. Je vais vous poursuivre. Bibi. Amen, amen. Depuis Bamoni Jikaka na Fati Bazoka na Baza à l'Est. Depuis qu'ils ont vu Jikaka et Fati s'entendre, ils ne sont pas. Babandi Songi Songi. Ils viennent de commencer des critiques. Ya Fati na Jikaka, Boki pe Bangote. Fati et Jikaka. Bamibi. Il ne faut pas considérer toutes ces personnes ici. Boyokana. Ils n'ont pas honte. Ils friment. Et de voler, ils trompent aux gens que non, les députés provinciaux demandent l'argent pour élire sénateur. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Ah oui, ma députée provinciale, ma sœur Mutumbongo. Les provinciaux n'ont pas demandé de l'argent. Ma qui voté, ma Meli. Bangi. Il y a un qui a voté, j'ai des preuves. Les gens qui ont voté.
Tous ont porté plainte contre Momeli Pangi. Peuple de Dieu, est-ce que vous m'avez voté pour voter les sénateurs qui prennent du chanvre? Non! Acclamons très fort pour le roi des rois. Moussous m'a voté pour Anini. Un autre ne l'a pas voté pour Français est un homme. Parce qu'il ne parle pas bien français. Il a fini ses études. Dans les mauvaises universités. C'est pourquoi on ne va pas te voter si tu n'as pas de preuves. Et vous voyez dans un pays où les gens ne réfléchissent pas, ça devient de la situation. Et comme il est dans la bateau, quand on dit ça, les députés, professeurs, demandent de l'argent. Parce que nous sommes un doctorat, il y a l'Okuta dans l'université. Nous vivons dans un environnement du faux. Ce qui est qui est la corruption, rapport Blumenthal, rapport Bakandesha, rapport Lutundula. Bato bazana nyongo FPI bazo tambulao nana kanga bango bosa kanate. Donc ça c'est sur le niwe wale zama pata. Alléluia, amen. Papa to tina mutomela kabangi na sena tabino mo au sena qu'on envoie quelqu'un qui prend du champ soki ba chatembe si bango bazaka kaza la preuve lobby demain boela nga bango. Nous allons contrôler l'antidopage. Nous allons les contrôler tous s'ils ne prennent pas du champ. Amen, amen. Amen. Attention, il va se désintoxiquer. Minou à part. Acclamons très fort pour les voix. Faut pas jouer avec les gens. Il arrive à Élie de fermer le ciel. Et comme Élie à Kangalon. Mais Élie. Parce qu'Élie n'a pas toutes les clés. Yé, Azali n'a pas fongo la nyon sauté. Alléluia. Même Pierre. A tapé telo. Il n'avait que des clés. Azali qui a fongo. Mais il n'avait pas de porte. Azali qui n'a pas couqueté. Alléluia. Amen. Si Eli ferme. Ce qu'Eli a kangi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et la porte des brebis. Azali est couqué n'a pas mpate. Si Pierre est parti avec la clé. Ce qui pète. Jésus va remplacer la porte. Jésus a kotia. Et couqué Moussous. C'est pourquoi dans Malachi il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez Bokomon. Si je n'ouvrirai pas les églises. Laisse que ce matin que les églises financières s'ouvrent dans ta vie. Que les églises de succès s'ouvrent. Que les églises des affaires. Que les églises de l'intelligence. Que les églises de compétences. Que les églises de la grâce tombent sur toi. Et quoi l'icône yo. Élie n'avait que des clés. Élie a zalaï kara bafongo. Mais trop de bruit. Kasima kele le belé. Si c'est dans ma parole. Ce qui zalaï kara ilo banan. Ce qui non mon abnatalio. Si ton oncle te regarde, toi. Je sais que oncle. Dis-lui oncle. Na ko respecta ka toujours. Je vais te respecter toujours. Mais osaka na fongo là. Mais tu n'as qu'une seule clé. Tu n'as pas la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ezana motomo ka soso. Vous ne comprenez pas. Bo soso lité. C'est-à-dire que. Ngi kolo baboete. Les clés qui ont été données. Que Dieu te bénisse ma fille. Bafongo lo epe samaki. Les clés qui ont été données à Pierre. Bafongo lo epe samaki na pete. Et à Élie. Na Élie. C'était seulement pour les portes de leur époque. Ezala ki pona bikuki antango na bango. Maintenant, nous avons des portes en aluminium. Si kato zana bikuki. Qui s'ouvrent par télécommande. Na télécommande. Donc Élie et Pierre. Élie en a pété. Peuvent fermer. Bakoyi ko kanga. Mais la porte des brebis. Kasi kuki. Va remplacer des portes. A koti a bikuki mosu. Alors qu'est-ce qui se passe quand la porte est remplacée? Nini salimi tango. Même Élie et Pierre. Ata Élie en a pété. Quand ils reviennent. Tango bayei. Ils ne savent plus ouvrir. Bakoyi ko fongola lisusu te. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ezana motomo ko sosoli. Je vous dis que, Nathalie Sibino Boete, tel que je vous parle là, il y a déjà un gros nuage. Dans ce nuage là, il y a un homme. Comme il ne peut pas tomber sur la terre sous forme de nuage, il tombe sous forme de la pluie. Alors, que tel que je suis en train de parler, que la pluie financière tombe sur ta tête, que la pluie de santé tombe sur ta tête, que la pluie de chance, les papas. Je suis votre père. Je vous bénis au nom de Jésus. Devant votre vie, je change les portes. J'enlève la porte des malédictions. Je remets la porte des bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Non.
Jésus n'a pas besoin de clés pour vous sauver. Yesu azana na posa c'est Pierre Godet qui a besoin de clés. Petelo na Godet Jésus lui-même il est la porte. Yesu c'est pourquoi un jour il avait trouvé Pierre dans la prison que Tébéris ma fille. Il a trouvé Pierre dans la prison. Il n'est pas allé chercher le directeur de prison. Il a enlevé seulement la porte. Il a remis une autre. Et quand il a levé, Pierre sortit. Il remet une autre porte. Je voulais te dire que partout où tu étais emprisonné, j'ai reçu le pouvoir d'ouvrir la porte. En tout cas, au nom de Jésus, celui qui dira Amen, ça va arriver dans sa vie et dans ta famille. Vraiment, Dieu me demande dans cette église d'enlever la porte de célibat, de divorce. Je remets maintenant la porte de mariage heureux. Quel Dieu! Quand on ferme, il ouvre. Alléluia. Amen. Il habite les nuées. Pour le voir, il faut avoir des yeux qui sont flamboyants. On nous lit Matthieu 7, 17, verset 5. Parce qu'on va arrêter par là. Vous allez comprendre le ministère des nuées. Et je vous dis que cette colonne-là de nuée est au-dessus de notre église. Elle ne va pas rester ici. Elle va t'accompagner jusque chez toi dans ta maison. Ta maison deviendra une colonne de nuée. Comme ça, à chaque instant, quand il fera chaud, elle va te couvrir. Quand il fera sec, elle va réalimenter le torrent. Matthieu 17, le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci, fils bien-aimé, en qui mis toute mon affection, écoutez-le. Acclamons très fort pour le roi. Bien-aimé, Balingami, le Dieu qui était dans la nuée, tu ne le verras pas. Matthieu 7, 5. Matthieu 7, il dit que le Dieu qui était dans la nuée était la parole. Au commencement était la parole. La parole avait tout créé. Laisse que ce matin, que tout ce que tu manquais dans ta vie, que la parole le crée. La parole est capable de créer un poste pour toi. La parole est capable de créer de l'argent pour toi. Ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, je donne du travail à tous les sommets. Amen. Amen, amen, peuple. Donc, dans la nuée, il avait la parole. Donc, les nuées de bénédiction dont nous venons de parler, ce n'était pas autre chose. Ce n'était pas des bougies. Ce n'était pas du sel. Ce n'était pas de l'huile. Tu vas te salir les habits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde la teinture est en train de changer parce que tu appliques n'importe quoi. Non, nous avons une huile invisible que nous pouvons appliquer. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et vous irez lire Matthieu 17 à la maison. Matthieu 17 nanda. Quand il parle, il dit à Pierre, Jean et Jacques, que ne dites à personne ce que vous avez vu. Donc, il y a des pasteurs, comme ils sont dans le mal, donc les André et les Barthélemy, à part l'offrande, ils ne savent pas que l'impudicité c'est mauvais. Tu ne peux pas prendre une femme d'autrui. Même quand vous voyez aujourd'hui les pasteurs se lancer dans les tribalismes, c'est parce qu'ils ne sont jamais entrés dans la nuée. Partout où Dieu a parlé, il y avait la nuée. Les jours où on proclamait les 10 commandements, la Bible dit que toute la montagne était en fumée. C'est pourquoi ils ont des yeux, ils ne peuvent pas voir.
Même comme je parle là, il y a des gens qui ne croient pas. Et tu verras. Tu verras ce qui va m'arriver bientôt. Tu verras. Bien-aimé, Eli envoie son serviteur. Il lui dit, va du côté de la mer. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. Il dit à Akab, cours vite. La pluie va t'attraper. Akab regarde au ciel. Il dit au chevalier, allons doucement. Même s'il a gagné le prophète de Baal, pour ça je ne crois pas. Mais je sais que mon papa est un bon prédicateur. Mais pour ma bénédiction, je ne crois pas. Même si tu ne crois pas, ça va t'arriver au nom de Jésus. Ça va vous arriver au nom de Jésus. Il envoie encore les serviteurs. Les serviteurs partaient. Il disait qu'il ne voyait rien. Mais quand il envoie pour la septième fois, quand le serviteur arrive, il regarde au ciel. Il dit, je n'ai rien vu. J'ai vu un petit truc. Comme une main. Donc c'est-à-dire, la main là, il n'y avait pas de nuages. Mais la main était venue pour ouvrir les églises. Terrible. C'est la main là qui remplace les portes. À partir de ce matin, est-ce que les portes d'emprisonnement sont remplacées par la porte de liberté? En tout cas, toi tu vas sortir avant la libération des politiciens. Donc je te libère ce matin. Et il faut attendre 10 jours. Mais toi aujourd'hui même, tu es sorti. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne un travail rémunérateur. Que Dieu te donne de la chance dans la vie. Bâtis et achète des immeubles pour la gloire de Dieu. Deviens patron et chef. Parce qu'il y a une main. Alors quand il dit qu'il avait vu la main, à ce moment-là, Elie appelle, il lui dit ceci. Dis à Akab qu'il court. Comme la main là est sortie, qu'il court la plus valable. Alléluia. Amen. Akab était en train de murmurer. Akab a zali ko ima ima. Du coup, les cieux se noircissent. Alléluia. Amen. Je sais que ça fait longtemps que la pluie d'argent est tombée dans ta maison, dans tes poches, dans tes comptes. Elle commence maintenant. Après ce culte, tu n'arriveras pas chez toi. Pourquoi vous ne comprenez pas? Après ce culte, croyez à ce que j'ai dit. Tu n'arriveras pas chez toi. Tu n'arriveras pas chez toi. Avant que le Seigneur ne revienne, moi et toi, nous allons faire des erreurs. Parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Maintenant, je donne du travail à tous les chômeurs. Je donne les mariages à tous les célibataires. Je donne la chance à tous les maudits. Parce qu'à partir de maintenant, que la bénédiction te suive. Dans les pays d'Afrique, il n'y a pas trop de signalisation routière. Tout se fait à l'aide de la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La main que tu as vue au ciel, elle ne va pas te frapper. Avec la main, on peut essuyer les larmes. La main là que tu as vu au ciel, il y a une pluie qui va descendre. La pluie va engloutir toutes les larmes. Amen. Entre les larmes et la pluie qui contient beaucoup d'eau, laisse qu'à partir de ce matin, que la pluie céleste enlève les larmes. Ah, la main ne suit pas que les larmes. La main sait écrire dans les ordonnances qui vont sortir que la main ajoute ton nom au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et tous les mariages qui vont venir. Mabala nyonso ekoya. Les bons mariages. Mabala kitoko. Les mariages bien holy, à tombe midi pour avoir des vacances. Amen.
que Dieu ajoute ton nom sur la liste de mariage heureux. Je n'ai pas encore fini. Quand on va nommer les mandataires, que la main qui était au ciel descende sur la terre et ajoute le nom. Que ça ne puisse pas s'arrêter là. Que cette main-là ajoute ton nom sur la liste de vie, sur la liste de ceux qui iront au ciel. Malgré tout ce que nous allons faire, il y a un jour, le Seigneur Jésus-Christ descendra. Il enlèvera l'église. Pour être enlevé, il faut avoir le nom sur la liste. La liste de vie, c'est comme les manifestes d'Air France et d'SN. Si ton nom n'est pas sur les manifestes et que l'avion est déjà full, tu n'entreras pas. Mais le Dieu que je t'ai présenté, il est capable d'effacer le nom de quelqu'un qui était sur la liste et le remplacer par le sien. Laisse tous les célibataires, que les femmes te disent, Dieu enlève leur nom sur la liste des mariages et remplace. Parce que l'Éternel, notre Dieu, c'est un Dieu qui remplace. Qui remplace le premier ministre. Amen. Mais besoin de manasser dans le Biboye. Que tu remplaces le premier ministre. Que tu remplaces le ministre de finances. Amen. Que tu remplaces le gouverneur de la banque centrale. Que tu remplaces ton chef. Que Godet remplace Pierre au Congo. Amen. À partir d'aujourd'hui, je suis le cardinal de la RDC. Nazali, épiscopo mokonzi RDC. Est-ce que en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non, je voulais vous dire que au ciel, les gens peuvent fermer, mais il y a une main. Il y a une main qui n'est pas seulement capable d'ouvrir, mais qui est capable même de remplacer la porte. Est-ce que vous m'avez compris? Vous ne comprenez pas. La ville de Jérusalem était fermée par une porte. Alléluia. Amen. Les lépreux, les boiteux, ils ne pouvaient pas entrer. Donc ils devaient rester en dehors de la ville. Lisez l'histoire des quatre lépreux, vous allez comprendre quelque chose. Quand on avait la lèpre, on ne pouvait pas entrer. Mais le jour d'aujourd'hui, c'est un jour de grâce pour toi. J'ai dit que c'est un jour de grâce. Toutes les portes qui étaient fermées viennent de s'ouvrir. Amen. Retenez ça. Vous êtes bénis. Mais pour vivre cette bénédiction, il faut marcher dans la sanctification. Donc je crois sincèrement que dans une certaine mesure, j'étais très utile. Ainsi, je finis ce que j'étais venu faire. Alléluia. Amen. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Chantre, technicien, protocole et la sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé. Sur WhatsApp, Internet, Facebook. Que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu bénisse Martin Fayoulou. Que Dieu bénisse Jikaka. Que Dieu bénisse Jean-Pierre Bemba. Que Dieu bénisse Moïse Katumbi. Mais celui qui va chercher à créer encore des guerres au Congo, que Dieu le tue. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Oh,
ngaye nazali koluka papa tena Yesu babunga kikala nakatinya ya lopango ya tata okozonga Epaina Yesu Epaina Yesu okokota nakatya lopango